C'est le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Derassouba, qui assure l'intérim du ministre de l'Industrie et des Mines. Jean-Claude Brou a pris officiellement fonction le 1er mars 2018 à Abuja, au Nigeria. Président de la commission de la CDAO, il quitte le gouvernement pour ses nouvelles fonctions. Monsieur le ministre, de nombreux programmes sont encore au ministère de l'Industrie. Certains sont mis en œuvre et connaissent une bonne évolution. D'autres sont encore à la phase d'étude et ont besoin d'un coup d'accélérateur. Vous avez désormais la responsabilité de conduire tous ces programmes à terme, de parvenir aux résultats que notre gouvernement et notre pays attendent. Recevant les dossiers des mains du ministre en sortant, en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, Roger Charlemagne Da, le ministre Souleymane Derassouba s'est engagé à poursuivre avec abnégation les chantiers entamés par son prédécesseur. Sans relâche seront poursuivis tous les chantiers ouverts et à venir. Tous les projets inscrits au plan d'action prioritaire 2018 et toutes les initiatives de développement des secteurs de l'industrie et des mines. Notre seul objectif sera de réaliser la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de transformer notre économie par son industrialisation à l'horizon 2020. Désormais ancien ministre de l'Industrie et des Mines de Côte d'Ivoire, le nouveau président de la commission de la CDAO succède au Béninois Alain Marcel de Souza. Son mandat à la tête de la commission de la CDAO va durer 4 ans.